au ballon. Le classement voit pour l'instant Amina Zaripova mener la compétition. Et je vous parlais d'Ekaterina Serebrianskaya. Suivez bien cette jeune fille. Elle ne cesse d'enchanter Vienne depuis 3 jours. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Position d'équilibre absolument merveilleuse à 10 secondes de la fin de son programme. Un ballon qui s'envole dans les airs, haut, 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 dans le ciel de cette Stadthalle. Et Ekaterina Serebrianskaya, c'est la légèreté suprême. Regardez cette position d'équilibre. Parfaitement verticale, même plus que verticale. Et Ekaterina Serebrianskaya, longiligne gymnaste, longiligne danseuse, dirais-je. C'est toute l'école ukrainienne, mais allais-je dire l'école russe du Bolshoï et autres du Mariinsky Kirov que nous avons sous les yeux, pour un talent absolument merveilleux. Je pense qu'avec cette démonstration pleine de grâce, Ekaterina Serebrianskaya devrait prendre la tête de la compétition. Je n'ose imaginer la réaction du public si tel n'était pas le cas. Le réalisateur de notre confrère de la DSF nous propose un ralenti où le ballon retombe parfaitement sur le sol avec à peine un léger rebond. La note sur un maximum de 10 et de 9.